autre affaire qui m'énerve des banlieues, c'est d'aller chercher le courrier au coin de la rue dans le pigeonnier. Au prix qu'on paye les timbres, ils pourraient venir la livrer à la porte, non? Arrête donc, Charlie. T'es allé en char encore. Bon, c'est quoi ça? Quoi? La ville m'envoie une contravention parce que j'ai sorti mes vidanges trop de bonheur. T'es sorti quand? Ben, dimanche soir. Oui, mais pas juste le jeudi. Je vais le contester. François, tu les as sortis 3 jours trop tôt. Bien, je vais leur dire, j'ai sorti 4 jours trop tard. Il n'y a aucun règlement qui interdit de sortir ses vidanges trop tard. Tout le monde sort ses vidanges la veille. Pourquoi tu fais pas pareil? Ben, c'est ça, la banlieue, hein? Un paquet de petits règlements minables pour que tout le monde fasse pareil. Pourquoi il n'invente pas un règlement pour que tout le monde flashe en même temps, ta carrière? Ben là, t'aimerais mieux que ça soit tout croche puis que ça vire à l'anarchie? L'anarchie, voyons, on a peur de quoi, là? Que le quartier se fasse envahir par une gang de ratons laveurs? Ce que je veux dire, c'est que c'est normal qu'il y ait des règlements dans une société. Oui, mais des règlements qui ont de l'allure. Bon, par exemple, comment ça se fait que je peux pas stationner mon char dans la rue? Parce que t'as un garage qui fait cette job-là. Oui, mais si j'ai le goût de le laisser dans la rue, moi? Ben, il y a sûrement une raison. Laquelle? Que la rue soit libre pour les vidangeurs? Il part juste le jeudi. Ben, dans ce cas-là, pourquoi t'es sort le dimanche? C'est pas ça la question. La question, c'est que ça me rend fou, ces petits règlements débiles, là. Comme pourquoi je peux pas laver mon char quand je veux l'été? Ah, ben ça, c'est pour économiser l'eau. Ben oui, mais si mon char, il est sale, la journée que je peux pas le laver. Tu vas au lavoto? Puis le lavoto, il prend pas d'eau, lui? Il fait un nettoyage à sec? Bon, qu'est-ce que tu veux, là? Défusionner? Oui, très bonne idée. On va se défusionner de la ville. Pour se fusionner avec qui? Personne. On va défusionner le terrain, puis on va rester tout seul, on va faire ce qu'on veut. Beau projet. On va défusionner le terrain, puis on va se fusionner avec Montréal. Au lieu de critiquer, là, pourquoi tu t'impliques pas? Comment? Ben, il y a une élection municipale qui s'en vient. Tu pourrais revendiquer des choses. Mmh. Ouais. Et que t'es naïve. T'es merveilleuse, voyons. Ça ne changera rien. Il va encore élire un gars qui va graisser ses amis un coup rendu à la mairie. Ben, mets-toi de chambre avec, tu vas pouvoir te faire graisser toi aussi. M'intéresse pas. Politique municipale, là, c'est pour ceux qui s'habillent en bas brun et qui ont du temps à perdre. Salut! Salut, Sylvain. Tu fais ici un matin, toi? Viens solliciter votre vote pour Jean-Guy Malouin. Quoi? Ouais, je travaille à sa réélection. Tu vois ce que je voulais dire, Dorian? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Rien. François dit que les gens qui s'impliquent en politique municipale là, mettent des bas bruns et ont du temps à perdre. Qui se graissent la patte aussi. Ouais, ben, serais-tu en train d'insinuer que M. Malouin est un gars croche? Entre autres. Trouve pas ça correct, François. Jean-Guy Malouin est un homme honnête qui a travaillé fort pour faire de notre belle ville ce qu'elle est aujourd'hui. Ouais. Qui a réussi à se bâtir une grosse cabane pour devenir millionnaire à grands coups de pot de vin. Tu penses? Aussi convaincu que vous êtes naïf, puis aussi convaincu que lui est beurré en face. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je me sers un café. Est-ce que c'est du café équitable? Oui, très équitable. Moitié café, moitié eau chaude. Ah, je veux savoir si c'est du café qui encourage les petits agriculteurs du tiers-monde. Ah, tu veux dire du café à 12 piastres la livre? Non, ça, c'est du café ordinaire. C'est parce que j'aimerais ça qu'on change nos habitudes, hein, qu'on développe une conscience sociale. Mon Dieu, pour moi, t'as bu trop de café équitable, toi? Depuis quand t'as une conscience sociale? Ben, depuis toujours. Non, OK, je vais reformuler ma question. Comment s'appelle ta nouvelle conscience sociale? Camille? Tu vois, là, on se comprend. Attends-toi pas à ce qu'on change toutes nos petites habitudes ici juste parce que tu veux amener une granola dans ton lit. Non, Fred, c'est pas juste une granola. C'est une fille superbe. Elle est pure. C'est vraiment une belle d'Ivory. Ah, qui va se faire passer un savon? Non, c'est sérieux, ce coup-là. Je veux faire un bout avec elle. Ah oui? Tu veux faire un bout? Genre du bar à ton appartement? Non, un bout d'envie, je veux dire, voir à long terme. M'engager avec elle. Ouais, trop de café équitable, toi. Ah, salut, François. C'est du café équitable que tu bois, j'espère.
Plus qu'équitable, lui, gratis. Ah. Ouais, dans un verre en styrofoam. Ouais, puis. Ça détruit la couche d'ozone, François? Une nouvelle fille. Ah. Ça durera pas. Je pense que c'est plus sérieux cette fois-ci, moi. Tu penses? Oh oui, François, c'est sérieux. Ah ouais? Y a-tu échange de salive entre vous autres? Non. De caresses? Non. Numéro de téléphone? Pas encore. C'est plus sérieux que je pensais. Tout ça, c'est pas bon. Non. De la soupe en conserve, c'est pas bon? Mais non. Ça pourrait contenir des OGM. Mais c'est pas sûr. Non, mais ça pourrait. Ces céréales-là, c'est des céréales 7 grains? Oui, mais ils ont été faits dans une usine du tiers-monde qui exploite le pauvre monde. Fin. Chimique. Alors, si je te suis bien, tout ce qu'il y a de bon dans la maison, c'est ces deux petites pommes-là. Sont-tu bio? Non. Mais là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais tu donnes ça à François. Julie, on n'est pas pour s'affamer, juste au cas où ça serait mauvais pour la santé. Doriane, c'est pour être conséquente. Si tu tiens à appuyer le mouvement anti-mondialisation, il faut que tu fasses un effort. Je sais plus si ça me tente, là. Doriane, tu m'as promis que tu viendrais à au moins une manifestation cette semaine. Oui, mais si je mange pas, j'aurai pas d'énergie, puis ça risque de me rendre ben agressive. C'est parfait, si on a besoin de monde d'agressif pour crier « Mort au capitalisme, mort aux Américains, mort au fast-food! » Tu m'as pas dit que c'était pacifique, tes manifestations? Oui. Oh, oui. Hello. Hello. Hello, tu es. Bon, vous avez préparé le souper, je m'en suis occupé. Fast-food? Ouais, un bon hamburger fait de bœuf à 100%. T'es influençable, t'es merveilleux. Ben oui. Ils disent que c'est fait de bœuf à 100%, pas 100% de bœuf. Hein? C'est-à-dire qu'ils mettent un peu de bœuf dans ta boulette, du bœuf à 100%, puis le reste, c'est de la scrap. Pis, ça goûte bon, le scrap. Même que, la prochaine fois que j'y vais, je mange pas de bœuf, juste de la scrap. Mieux que ça, on va prendre scrap extra fromage. Essaie pas de le conscientiser, Julie. François trouve que tous ceux qui s'occupent de politique et de choses sociales, c'est des morons. Des morons aussi. Ah. Ouais. Salut! Salut! Je viens solliciter ton vote. Je te l'ai dit que ça m'intéressait pas de voter pour Malouin. Ah, je viens pas pour Malouin. Tu viens pour qui? Pour moi. J'ai décidé de me présenter. Bravo, c'est vraiment une belle initiative de ta part. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Tant qu'à faire pression sur un vendu comme Malouin, là, j'ai décidé de faire valoir mes idées par bébé. T'es, m'en va à l'hôtel de ville. Sylvain, tu peux pas te lancer en politique. T'as aucune compétence. Deux mots. George Bush. Ouais. Vu de même. Mais là, c'est quoi ton programme? Ah, ben là, c'est ma vie privée, ça. Comment ça, ta vie privée? Bon, OK. Hein, si je veux être un homme public aussi bien transparent, là. Bon, je l'avoue, il m'arrive d'écouter Bleu Nuit à l'occasion. Pas ton programme de télévision, innocent, ton programme électoral. Ah, oh, OK. Je pensais que venant de toi, c'est la télévision. Puis, Vas-y, vas-y, Sylvain. Dis-nous, qu'est-ce que tu veux changer, toi? Eh bien, voici, chers amis. Je veux éliminer tous les petits règlements stupides. Hein? Comme le stationnement interdit dans la rue, les horaires d'arrosage, le temps pour mettre les poubelles et faire livrer le courrier à domicile. Tiens! Wow, j'en connais qui vont être contents. Puis pour l'environnement? Eh bien oui, nous y avions pensé. Oui. Pour l'environnement, voilà, je veux faire baisser la limite de vitesse pour diminuer les effets nocifs du CO2, en plus de déclarer notre ville verte. Avec toi, ça va être plus une ville brune. Et finalement, Monsieur le Président, je veux faire baisser les taxes et faire cesser toute forme de patronage. Bravo, c'est un très bon programme. As-tu beaucoup d'appui? Inquiète-toi pas, avec tout le monde que je connais dans le quartier, là, ça sera pas un problème. Comme l'a dit mon slogan,
le 20, on va tirer le 20. Puis le 26, on décrisse. OK, je l'avoue, je suis à des années-lumière d'être un écologiste anti-mondialisation. C'est plus un espèce de Wayne Gretzky de la consommation et du gaspillage. J'avais remarqué. Je sais pas, avec toi, j'ai comme envie de changer. Quand je te vois, là, j'ai envie de manger du bio. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, j'ai envie d'embrasser tes causes. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je veux dire, j'ai l'air calme. Ben non, je comprends ce que tu veux dire. Puis, je trouve ça très flatteur. Content de te flatter. C'est correct, Alex. Moi aussi, je te trouve bien intéressant. Vraiment? Mm-hmm. Puis, je pense que j'aimerais ça qu'on se revoie. Quand tu me veux. Je veux dire, quand tu veux. Camille? Ah, Julie! Ah, Julie! Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je suis venue prendre un verre avec un ami. Allô? Mm. Je te présente Alex. Enchantée, Alex. Est-ce que tu viens à la manifestation cette semaine? Ben oui, c'est sûr. Et toi, Alex? Oui, ben, oui, c'est sûr. Oui? Salut. J'ai sollicité votre vote pour Jean-Guy Malouin. Ah oui, c'est bien, ça, de s'impliquer dans sa communauté. Ouais, surtout qu'il paye bien. Fait que, je peux compter sur toi? J'y pensais. Vas-y comme faux. Parce que je connais ton adresse, puis je voudrais surtout pas qu'il vous arrive des malheurs. Des malheurs comme? Comme, par exemple, passer au feu. Ah, non, c'est le feu, non, c'est pas... C'est OK, je vous fais compter sur mon vote. Parfait. Là, vos noms. Comment ça, mes noms? Vous allez voter au nom de Guy Trudel, Jacques Duguay, puis Herménégil Touga. Ben voyons donc, c'est pas démocratique, ça. T'en fais pas, ils seront pas, sont morts. Ça fait longtemps? Il y a 4 ans, juste après la dernière élection. Ah! T'es des partisans de M. Malouin? Non, justement. Ah. C'est quoi mes noms déjà? Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Ah! Oh, tu bois plus de café équitable? Non, je pense que mon chien est mort. Oh, mais tu feras du compost avec? Qu'est-ce qui s'est passé? Figure-toi donc que je suis allé prendre un verre hein, avec Camille. Puis qui je rencontre au lounge? Bon, John. Pire. Sa blonde? Une de ses amies. Mais là, ça t'a jamais arrêté avant, ça? Je sais, mais son amie, c'est Julie. Non. Ouais. C'est normal, hein, ces deux granoles. T'imagines tout ce qu'elle a dû dire sur moi, là? Mais, hein, que t'es un macho fini. Un courailleux. Un irresponsable. Un ado attardé. Un obsédé. Un moins que rien. Un salaud. Un obsédé moins que rien, salaud. C'est beau. Ça n'a pas d'allure. Quoi? Que Sylvain se présente? Mais, hein, que ça n'a pas d'allure. Non, Malouin, il arrête pas de donner des contrats, là, à gauche puis à droite. Oh, mais c'est ça, la politique, Dorian. Les gens votent pour les plus beaux et les plus fins. Tu vois bien que Sylvain n'a aucune chance. Tu vas voter pour Malouin? C'est ça ou bien j'annule mon vote. Ben, au lieu d'annuler ton vote, vote donc pour Sylvain. Ça revient au même. Ah. Ah, salut! Tiens, le John F. Kennedy des pauvres. Ça va, Sylvain? Ah, je suis épuisé, là. J'ai fait du porte-à-porte toute la journée, mais je sens que les gens, ils veulent du changement. C'est sûr, quand ils te voient, ils veulent déménager. Hey, François. Les gens voient en moi l'homme du renouveau. Qui s'habille comme il y a 20 ans, oui. Laisse-les faire, Sylvain. Moi, au moins, tu peux compter sur mon vote. Ah, merci, Dorian. Ça va faire changement des calomnies que j'entends à longueur de journée longue. Mais... Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, des manœuvres déloyales de Malouin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a sali mon image. Je suis content que tu m'aies rappelé. Pourquoi je t'aurais pas rappelé? Ben, t'as parlé avec Julie. Hein? Mmh, oui. Ben, vous avez-tu parlé de moi? Tu te dis que j'étais ci pis ça? Non, on n'a pas vraiment parlé de toi. Ah non? Pourquoi? Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Ah non, ben non. Ah non, tout est beau. En tout cas, je suis vraiment contente d'avoir rencontré un gars qui est comme ça. Puis, comme quoi, au juste? Ben,
Tu sais, par rapport à l'environnement, la mondialisation. Ah, quoi. Ça, oui. Oui, ça, c'est bien moi, ça. Moi, ça m'allume bien gros. Ah, ben. Tant mieux. Fait que. Tu viens-tu avec moi? Où? Fais pas l'innocent. Salut. Salut, où est-ce que tu vas bien de même? À l'enterrement? Oui. À l'enterrement de Jean-Guy Malouin, c'est aujourd'hui que le peuple va le sacrer dehors. Oh boy. Et là, tu veux quoi? Ben, je me demandais si tu voulais pas venir voter avec moi. Pourquoi? Parce que d'habitude, les candidats, quand ils vont voter, ils vont avec leurs femmes, mais moi, j'ai pas de femme. Fait que... Tu veux que je sois ta femme? Ben, tu sais, peut-être tu pourrais être la première dame du quartier. Pas vraiment, non. Non, sérieux, là, tu sais que je t'apprécie beaucoup, puis j'aimerais ça avoir ton support. Bon. OK. Bon, OK. Puis en plus, si je suis élu, tu vas avoir un contact direct avec le pouvoir. Fait que... Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, que je n'oublierai pas mes amis. Serais-tu en train d'acheter mon vote? Non, 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 juste le loin un petit peu. Salut. T'as qui? Julie. Elle m'appelait pour me dire qu'elle ne pourra pas être ici pour le soir des élections. Elle s'en va manifester. Ah! Finalement, il y a quelque chose de bon dans ces manifestations de gauche. Toi, as-tu invité Alex? Non, de toute façon, je pense qu'il y avait des projets avec Camille. Il paraît qu'elle l'aurait invité avec des menottes. Ah! Je pense qu'il va être occupé pas mal toute la nuit, si tu vois ce que je veux dire. Uh-huh. On va vous garder pour la nuit. Non, 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 non! Je vous jure, monsieur l'agent, c'est la fille qui m'a attaché après la clôture avec les menottes. Adossez-vous au mur, puis tenez la pancarte. C'est gentil de m'inviter à la soirée des élections. Hey, on voulait être les premiers à célébrer ta victoire. Il me reste plus d'ongles à ronger. T'en auras pas sur les toits, toi? Écoute, j'ai des faux ongles dans la salle de bain, t'en veux-tu? Je vais t'en prendre 5. Inquiète-toi pas, Sylvain. Ça va bien aller. Oui. C'est quoi le résultat? 3-2 Canadiens. Comment? Lâche le hockey, là, puis mets ça au réseau des nouvelles. C'est la troisième. OK. Eh bien, en ce qui concerne la Rive-Sud, des résultats très serrés nous parviennent. En effet, le candidat sortant de l'arrondissement Champlain, M. Jean-Guy Malouin, l'aurait remporté par une seule voix. Alors, regarde-moi pas de main. Pas de ma faute. Une voix. Une seule voix. T'as pas honte d'avoir fait ça à Sylvain? Oh, mais non, c'est pas moi. Mais non, c'est pas toi, c'est qui? C'est toi pis ta gang de tata? Non, je veux dire, c'est pas moi qui ai voté contre Sylvain. Tu veux dire que t'as voté pour Sylvain? Oui. J'ai voté pour celui qui, à mon sens, était le meilleur, ou mettons, le moins pire. Parce que je le sais, moi, c'est qui a fait la différence? C'est qui? Ben, j'ai voulu mener une campagne où le travail acharné, les bonnes idées et la générosité régneraient. Puis? Ben, j'ai voulu être conséquent avec mon programme, ça fait que j'ai fait preuve de générosité puis j'ai voté pour Malouin. Mon Dieu, où est-ce que t'as passé la nuit? Dans une soirée sado-maso? Non, dans une manifestation pacifique. Ah, ben oui, c'est évident. Camille m'a amené manifester contre la mondialisation. Puis? Mais disons que la mondialisation a décidé de me varger dessus. Quand je dis que la mondialisation me varger dessus, c'est au premier degré. J'ai reçu du poivre de Cayenne, des coups de poing américains puis des savates japonaises. Tu t'es fait arrêter? Ah oui. C'est pas de ma faute. On était sur le bord d'une clôture, puis je sais pas pourquoi, sans que je m'en aperçoive, Camille, elle m'a attaché avec des menottes après la clôture. Ah, c'est pas drôle, ça. Non, ça, c'était pas pire, ça. C'est quand la police a décidé de charger puis de nous arroser, là, c'était moins drôle. Parce que la prochaine fille que je vais croiser, là, ça va être une péteuse qui gaspille, qui pollue puis qui dépense comme une folle.
tu fais asseoir? Hey, c'est gentil de m'inviter. Je pense que c'est la première fois en un an et demi. Ouais. Écoute, j'ai réfléchi cette nuit, là, puis je me suis dit que t'avais eu beaucoup de mérite de te présenter comme conseiller municipal. Ah, merci. Puis même que tu devrais songer à demander un recomptage judiciaire. Parce que je suis sûr que Malouin a triché puis a fait voter une coupe de mort. C'est qui t'a dit ça? J'ai mes sources. Ben, sais-tu, François, moi aussi j'ai réfléchi cette nuit-là, puis je me suis dit que la politique, là, je pense, c'est pas pour moi. Comment ça? Ah, c'est trop compliqué. Je serais tout le temps parti, puis tu me verrais plus. J'insiste. Demande un recomptage. Pour la démocratie, Sylvain. Non, 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 François. Ma décision est prise, là, puis de toute façon, j'ai eu ce que je voulais, puis même au-delà de mes espérances. Fait que... Mais voyons, tu voulais perdre? Non, je voulais juste avoir ton vote. Ben, écoute, je suis touché de voir que t'es touché, là. Mais touche-moi pas!